Bonjour, pour introduire cette émission consacrée aux troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, je vais vous montrer un court extrait de l'interview d'une pédopsychiatre lilloise, le docteur Geneviève Loison. Ces images sont familières à celles et ceux qui connaissent mes documentaires sur la psychanalyse. C'est le crocodile. Voilà le crocodile. Alors, le crocodile, il nous indique tout de suite de quoi il s'agit. Il joue avec... Quand ils mettent la main dedans, je suis inquiète, ou un objet dedans, je suis inquiète. Quand ils se mettent dessus et quand ils tapent dessus, je suis rassurée. Pourquoi Qu'est-ce qu'il veut dire crocodile Qu'est-ce que ça veut dire un crocodile Crocodile, c'est le ventre de la mer, les dents de la mer. Alors je vais traduire ce diagnostic du freud lacanien au français. Donc si l'enfant innocemment met sa main dans la gueule du crocodile, comme les trois quarts des gens spontanément, parce que c'est très drôle, eh bien, ça veut dire qu'il est autiste. L'enfant exprime ainsi le fait d'être dévoré par sa mère crocodile. Mais si l'enfant se met à taper sur le crocodile, à sauter dessus à pieds joints, à le balancer au travers de la pièce, à retourner le cabinet du pédopsychiatre, ça veut dire qu'il est en train de combattre le crocodile maternel. Donc il va mieux parce qu'il échappe à l'autisme. Le TDAH est un terme qui ne fait pas partie de son vocabulaire, mais les troubles du comportement de l'enfant correspondent, selon elle, à une évolution positive, une sortie de l'autisme. C'était il y a dix ans, mais rassurez-vous, le docteur Loison exerce encore les internes en psychiatrie et les étudiants en psychologie clinique sont encore très largement formés à ces idées aussi sexistes. en disant ans, on a aussi fait beaucoup de progrès en crocodilologie. par exemple, on sait aujourd'hui que lorsque la maman crocodile tient ses petits dans sa gueule, ce n'est pas pour les dévorer comme le pensaient ces idiots de psychanalystes, mais pour les transporter en sécurité d'un endroit à un autre. nous allons faire le point des connaissances scientifiques up-to-date sur le TDAH en insistant sur les traitements et les solutions pour s'en sortir à l'école, à la maison, au travail, dans la vie, chez l'enfant et chez l'adulte. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jacqueline Felsine, Vous êtes enseignante et neuropédagogue spécialisée donc, dans le TDH. Éric Thuron-Lago, vous êtes psychologue. Nathalie Laruelle, vous êtes intervenante en psychopédagogie et professeure de technologie dans un collège rural. Vous accueillez dans votre classe des enfants TDAH. TDH. Gabrielle Val, vous êtes pédopsychiatre et auteur. Cécile Marnet, vous êtes psychologue et TDH. Alors, docteur Val, justement, on va commencer avec vous. Quelle est la, la description clinique du de TDH alors la description clinique, j'aimerais dans un premier temps utiliser un terme grand public qui est hyperactivité pour immédiatement dire que c'est une erreur dans l'histoire de la médecine parce qu'on a braqué en fait ce terme sur l'apparence la plus visible du trouble, c'est-à-dire l'agitation physique. Ensuite on a découvert que le fond de l'affaire c'était le trouble de l'attention et que même certains enfants avaient un trouble de l'attention sans être particulièrement agités. Donc on s'est retrouvé un petit peu encombré avec ce terme d'hyperactivité et on a créé un acronyme. TDAH qui explicite ce que je viens de vous dire, puisque TDAH, ça veut dire trouble avec déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc on a déjà, dans l'énoncé même de l'acronyme, on a euh, décrit plusieurs formes cliniques. Une forme clinique mixte, inattention, agitation, impulsivité. Une forme clinique avec inattention prédominante, donc l'enfant est dans la lune rêveurs a du mal à se concentrer, mais il n'est pas particulièrement agité ou impulsif. Et une forme plus rare où il y aurait une agitation, une impulsivité, mais sans que nécessairement les problèmes de concentration soient au premier plan. Par rapport à cette description clinique, c'est vrai qu'aux États-Unis notamment, il y a beaucoup d'auteurs qui insistent sur le fait que les troubles de la régulation émotionnelle sont quand même extrêmement présents dans le trouble de l'attention avec hyperactivité enfin, ou avec au sang. Et qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui demandent à ce que, dans la prise en compte des signes cliniques du TDH, on puisse aussi prendre en compte cette dysrégulation émotionnelle qui est quand même très importante et qu'on va retrouver chez les femmes et chez les hommes sous des facettes différentes avec des troubles du comportement, de l'opposition chez les garçons et chez les femmes, des choses plus internalisées au niveau de l'anxiété. Donc ça a été une demande qui avait été faite pour le DSM5 hein, de pouvoir introduire ça. Finalement, ça n'a pas été fait, mais on espère qu'à terme, euh, le, le trouble de la régulation émotionnelle va pouvoir aussi faire partie des critères cliniques. Est-ce que c'est un trouble euh, relationnel ou est-ce que c'est un trouble biologique En fait, quelle est l'origine du trouble Nous pensons que c'est un trouble biologique et il y a un certain nombre d'arguments qui ne sont pas toujours très démonstratifs, il faut bien en convenir. Euh, notamment, euh, il y a un certain nombre d'études en neurosciences qui montrent que ce trouble serait lié à un déficit en dopamine, soit en lien avec les fonctions exécutives, et là on serait plutôt dans une description de type déficit d'inhibition, soit en lien avec le circuit de la récompense, et là on serait plutôt dans une description de difficulté au délai, de l'ordre de l'impatience, de l'ordre de, de la difficulté d'agir sans qu'il y ait une satisfaction immédiate. Et ce circuit de la récompense, il a une traduction anatomique, et cette traduction anatomique, elle est différente dans certaines études. Sans que la question soit définitivement close, différente d'un cerveau de TDAH à un cerveau de non-TDAH. Cécile, comment fonctionne une, une, une personne lambda, on va dire, oui. ordinaire, voilà, ordinaire, et quelle est la, la problématique, justement, du circuit de la récompense qui fait qu'une une, une personne TDAH va se disperser et avoir développé un trouble attentionnel En fait, ce qui se passe, c'est que le circuit de la récompense, hein, ce qu'on appelle le circuit de la récompense, c'est un circuit motivationnel. C'est-à-dire que finalement, dans notre environnement, notre cerveau va associer une valeur de récompense à certains objets ou à des représentations plus abstraites. Donc, chez l'enfant petit, il va par exemple se rendre compte que bah, les crocodiles, c'est quelque chose de positif. Et donc, assez naturellement, il va avoir la motivation pour aller chercher ces crocodiles. Et spontanément, le cerveau va planifier les différentes actions qui vont lui permettre d'arriver à ça. Quand il va manger le crocodile, il va éprouver aussi du plaisir. Et du coup, on a aussi un phénomène inverse, c'est-à-dire que le plaisir d'avoir le crocodile va permettre que bah, le cerveau comprenne que cette action-là, elle est efficace pour pouvoir avoir le plaisir. Disons que l'idée, c'est qu'il y a d'un côté un circuit motivationnel, et quand on a acquis bah, la satisfaction, qu'on a cette récompense-là, du coup, ça fait en sorte qu'on apprenne quelles sont les séquences d'action qui vont permettre de retrouver ce but. Et puis plus l'enfant ou l'adulte grandit, plus il va avoir accès aussi à des récompenses qui vont être lointaines et symboliques. C'est-à-dire que finalement, il va pouvoir se dire que des bonnes notes, ben, il y a une valeur de récompense importante qui est associée. Et donc, il va pouvoir travailler pour avoir des bonnes notes, même s'il n'y a pas de satisfaction immédiate. Finalement, ce qu'on perçoit de manière un peu intuitive dans le TDAH et que les études confirment, c'est que c'est au niveau de la manière dont le cerveau va pouvoir maintenir dans le temps cette activation que bah, le circuit ne fonctionne pas de la même manière chez les TDAH. Donc on a beaucoup de pistes explicatives. Donc ça peut être effectivement soit des niveaux d'activation, c'est-à-dire qu'il y aurait des pertes d'activation par rapport au but. Peut-être que la représentation du but ne serait pas aussi suffisamment stable dans le cerveau des personnes qui ont un trouble de l'attention pour que la séquence d'action puisse se faire dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que chez les personnes TDAH, il y a par rapport à la manière dont ils gèrent leur comportement, un fort attrait pour des récompenses qui vont être immédiates et extrêmement fréquentes. C'est-à-dire qu'une personne typique va pouvoir maintenir une séquence d'action quand les récompenses sont lointaines et différées. Et on sait aussi que dans la manière dont le comportement est récompensé, les personnes typiques, euh, le comportement s'apprend mieux quand les récompenses sont aléatoires. C'est-à-dire que si vous avez une fois de temps en temps une récompense et parfois des choses qui ne sont pas récompensées, hein, votre comportement n'est pas efficace, vous allez quand même pouvoir apprendre que ce comportement-là doit être conservé. Alors que chez un enfant TDAH, il faut que les récompenses elles, soient fréquentes. Et il faut qu'elle soit systématique, c'est-à-dire que si à un moment un comportement n'est pas obligatoirement récompensé, alors que ça soit associé, enfin c'est juste qu'il n'est pas efficace hein, pour avoir le but. Du coup, l'enfant ne va pas le garder dans son répertoire comportemental. Et typiquement, une personne adulte apprend à développer et à agir, à mobiliser son, son intelligence et son action pour obtenir des récompenses qui, doivent for qui sont forcément à différer dans le temps et plus complexes ah, et plus fait, abstraites. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant, parce que quand on parle de motivation ou de circuit de la récompense, les gens peuvent penser que ça dépend de la personne. Là, c'est vraiment le cerveau qui va mettre en place un des systèmes de rétroaction qui font que finalement, mais ben quand on a, je sais pas, quand on pense à un pain au raisin, ça active le comportement, et ça, c'est quelque chose que vous ne choisissez pas. Donc là, c'est vraiment important aussi de se rendre compte que c'est le circuit de l'apprentissage, et que cette dépendance à des récompenses qui sont immédiates et fréquentes, c'est quelque chose qui n'est pas du tout quelque chose que maîtrise l'enfant, et donc, ou l'adulte, et que cette idée, du coup, qu'on perçoit souvent, et que les familles nous disent souvent, c'est-à-dire que, bah ben oui, quand il veut, il peut, Finalement, ça rend compte du fait qu'effectivement la motivation a un impact sur le comportement, mais ce n'est pas une question de vouloir. C'est le fait que bah, le comportement va émerger dans un contexte où la motivation est forte. Mais c'est indépendant de la personne. L'idée, c'est comment on fait émerger la motivation, et c'est pas euh, bah, voilà l'enfant qui veut faire quelque chose. Je dire le problème, c'est que quand il veut, il peut, mais il veut pas souvent. En fait, il faut que des conditions vraiment particulières soient réunies pour qu'il puisse justement. Oui. Et du coup, quand il peut, il veut. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Gabriel, c'est aussi la, la, la grande difficulté que euh, soit des médecins, soit des psychologues, soit des les parents, même, on peut avoir du mal à comprendre. C'est qu'un comportement, parce qu'il s'agit essentiellement de, de difficultés comportementales qui sont visibles, hein, l'hyperactivité motrice ou euh, la réaction à la frustration euh, qui peut être euh, un petit peu euh, difficile, euh, que ces choses-là, peuvent être du, du ressort de la chimie. Et je pense que ça aussi, ça complique la compréhension qu'on peut en avoir. Et au moins en France, ça participe au retard de prise en charge, parce que dans la compréhension que, que les gens peuvent en avoir, si j'ai un comportement X, c'est parce que je l'ai appris essentiellement d'une façon éducative. Et donc, on a des coupables tout désignés qui Absolument. sont les parents. Et essentiellement euh, les mamans, hein, enfin, la, je ne sais pas si elles sont crocodiles ou, ou autres, mais il est très difficile, enfin moi je le vois au moins dans euh, dans les consultations que je peux avoir, d'amener à comprendre pour un parent que les, les troubles du comportement ne sont pas liés à un traumatisme qui serait caché et à découvrir, mais que c'est indépendant de la bonne volonté de l'enfant, parce qu'il y, y a vraiment des enfants TDAH qui euh, qui voudraient mais qui ne peuvent pas, c'est plus fort qu'eux. Et, et c'est compliqué d'amener les parents euh, à, à comprendre qu'on est plus dans la biologie, dans la biochimie. Oui, c'est aussi la tradition française voilà. de pouvoir décorréler la personne <coughs> du, du cerveau et de l'organe cerveau. Et... Et, et, et tout ce qui est comportemental, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, est lié à l'éducation, ou y a des choses apprises. Alors, ce qui peut paraître contre-intuitif aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément de problématique de mémoire à court ou long terme. Enfin, fait, une personne TDA peut tout à fait se, se concentrer. Ou... Est-ce qu'il est qu y a une relation On confond plusieurs, plusieurs concepts qui, finalement, dans la pratique qu'on a et dans les études, sont complètement différents. C'est-à-dire que, finalement, ce qu'on appelle la mémoire, ah, bah, il se souvient d'aller faire les cours, ah, il s'est bien souvenu de faire cette consigne. Nous, on va considérer que c'est vraiment le maintien, en fait, de euh, la tâche au niveau de la mémoire à très court terme. Et puis c'est lié aussi à des phénomènes attentionnels, c'est-à-dire qu'il va focaliser son attention sur des buts qui sont à très court terme. Et c'est vraiment un processus qui est différent de la mémorisation pure, qui peut être perturbé effectivement dans le TDAH puisque quand on n'est pas concentré, ben, du coup on retient moins bien mais qui, sur des phénomènes qui nous intéressent, peuvent effectivement être maintenus. La deuxième chose, c'est l'aspect chaotique du trouble de l'attention. C'est-à-dire que finalement, on sait que la personne qui a un trouble de l'attention, elle peut être extrêmement performante quand le contexte est favorable, quand il y a suffisamment de stimulation. Et donc, si vous mettez quelqu'un qui a un trouble de l'attention face à un domaine qui lui plaît ou qui lui est présenté d'une manière qui est attractive, il va pouvoir avoir des performances qui sont comparables. À ses pères euh, qui n'ont pas de troubles de l'attention. Ce qui complique d'ailleurs euh, le diagnostic, le, le diagnostic parce que euh, de nombreux euh, médecins de famille ou même des psychiatres, voire des psychologues, vont avoir dans leur cabinet un enfant qui est. Euh, pendant un quart d'heure, ils vont être euh, en observation de, de, de ce qu'il y a dans le cabinet. Enfin, je vois dans le mien, il y a plein de trucs à regarder. Donc, euh, pendant ce quart d'heure-là, ils vont être plutôt. Euh, conformé en fait à, à une attente de, de l'enfant classique alors il y en a certains qui ne le sont pas et qui euh, naviguent dans le cabinet et qui vont voir derrière le bureau ce qu'on fait mais un certain nombre vont rester assez posés et sans trop rien dire et pour peu que ça ne dure pas suffisamment longtemps ben, le praticien va pouvoir constater de visu que euh, ben, l'enfant il est capable de rester attentif et donc il n'y a aucun problème donc vous pouvez rentrer chez vous ce que vous me décrivez euh, ben moi, je ne le constate pas. Donc, comme je ne le constate pas, évidemment, j'ai pas pris du tout le temps de faire le diagnostic selon, euh, soit des critères DSM, des soit des critères. les parents autres. sur leur ben quotidien. Voilà. Euh... Alors, ils peuvent les interroger, mais on pourrait dire que ce sont des parents qui sont assez intolérants, qui ont un seuil de, euh, de déclenchement de, de l'irritation assez, assez bas. Et donc, euh, le moindre chose que ferait l'enfant serait tout de suite euh, catastrophique. Donc, on, on médicalise. Mais en réalité, on n'a le praticien n'a pas le temps. Alors, à la fois, il n'a pas le temps d'observer. Puis, je serais tenté de dire aussi que ce qui est dommage, c'est que il ne prend pas le, le temps d'être à l'écoute de la plainte parentale. Parce que la, cette plainte parentale, ben, elle est quotidienne, en fait. Alors que là, on a un quart d'heure, 20 minutes. Bon, c'est rare, dans, dans mon cabinet, qu'au bout d'un quart d'heure, les enfants, il n'y pas des signes. Hein. Je dirais que c'est encore pire c'est pas, 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 pas qu'on n'écoute pas les parents. C'est que la parole du parent est quand même discréditée aussi. Oui, oui. C'est-à-dire que même si euh, les parents disent voilà ce qu'on constate et même qu'ils amènent des preuves, euh, l'enseignante peut dire. Euh, mais à partir du moment où certains praticiens voient un enfant calme dans leur bureau, ils vont systématiquement décrédibiliser la père et, et même on pourrait dire culturellement quand c'est les mamans, ben c'est encore plus décrédibilisé que quand c'est les papas. Et puis on sait que pour le trouble de l'attention euh, comme dans beaucoup de troubles neurodéveloppementaux, ça s'exprime de manière plus forte aussi quand c'est la maman que quand c'est le papa. Donc, ça, c'est pour des raisons qui sont aussi culturelles. Et les enfants sont plus exigeants, en fait, vis-à-vis -vis des mères, enfin, plus expressifs. Heureusement, il y a plein, plein de super médecins, mecs, euh, qui savent bien ça. Sur trucs. ces différents points abordés, je voudrais euh, rajouter deux, deux, deux petits points. Le premier, c'est que si on veut faire une, une synthèse un peu des théories en présence, on peut dire qu'il y a la faute de l'enfant, c'est plutôt l'éducation nationale, donc on a un chapelet classique, Saint immaturité, manque de motivation, etc. La faute des parents. Donc, défaillance éducative, familiale, affective, et puis la faute de la biologie, si tant est que la biologie soit la fautive. Voilà. Donc, c'est toujours la faute de quelqu'un, absolument. Et donc, en effet, la France a plutôt tendance à considérer que c'est une faute familiale, éducative, etc. Et les, naturellement, les deux peuvent se lier magnifiquement. Il y a un point que, que tu as abordé, Cécile. Là, je, je voudrais préciser une chose. Tu, tu dis que, et c'est tout à fait vrai, qu'un enfant qui fait quelque chose qui lui plaît euh, peut être délivré au moins momentanément euh, du TDAH. Et en fait, j'ai pour habitude de dire que le seul remède naturel euh, du TDAH, c'est la passion. Parce que la passion, c'est la, la satisfaction immédiate, encore plus que la récompense. Par exemple, travailles. un enfant oui. qui est passionné par un jeu vidéo, il est immédiatement récompensé par la passion. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, on a ce dialogue avec les parents. Les parents nous disent... Mais non, il a, il a aucun problème de concentration, croyez-moi. Quand il reste sur un jeu vidéo pendant une heure, il a vraiment aucun problème. Sauf qu'on n'a pas encore inventé une école où on puisse passionner les enfants pendant six heures dans une salle de classe. Mais dès qu'on aura inventé, on n'aura probablement plus de téléh Dès qu'on aura inventé la possibilité pour un enfant d'être passionné en permanence. si je peux me permettre par rapport oui. à à, au facteur motivationnel, il y a aussi la notion d'inférence. l'inférence, c'est-à-dire l'inférence énergétique. l'enfant, quand il accomplit une tâche ou lorsqu'il se saisit, par exemple, d'une bouteille d'eau, il sait l'énergie qu'il va devoir dédier, en fait, à l'accomplissement de cette tâche. et ces enfants ont une euh, conscience aiguë de l'énergie, considérables qui vont devoir mettre au service de la tâche et lorsqu'on évoque la notion quand il veut il peut il sait que euh, par exemple sur une tâche de lecture ou une tâche d'écriture si ce coût énergétique lui coûte énormément on va avoir donc un enfant qui va exprimer une opposition une opposition non pas dirigée vers l'adulte parce que très souvent bon, lorsqu'on demande à l'enfant de travailler ou de, de, de se mettre au devoir lorsque l'enfant dit non il ne dit pas non à l'adulte il dit non à la tâche et malheureusement, on va avoir euh, des conflits qui vont se surajouter et qui vont euh, complexifier encore un peu plus le, euh, la, les interactions. C'est pour rebondir, je trouve ça très intéressant parce que finalement, moi, quand je présente le trouble euh, aux familles et aux enfants, je leur dis quelque part, le signe du TDAH, c'est la flemme. C'est-à-dire le moment où l'organisme se dit, ah, il va falloir mettre telle énergie là et finalement, je n'ai pas les ressources pour... Et je trouve que ce qui est intéressant, notamment avec les adultes, c'est de, de dire, ben voilà, cette émotion-là, elle est hyper importante parce qu'elle ne doit pas, non pas euh, se culpabiliser en disant « là, là, machin », mais justement, au contraire, se dire « tiens, qu'est-ce que je peux mettre dans, en place dans mon environnement pour pouvoir modifier mon état émotionnel, euh, d'activation aussi cérébrale, et pouvoir justement bah, faciliter euh, bah, l'activation pour une tâche qui peut être complexe ?» Oui, on vient de mettre en lumière deux, deux choses, c'est la très grande fatigabilité des enfants, qui ont le TDAH, non pas parce qu'ils ont la flemme, et ça c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent, alors que non, c'est vraiment le, le processus cognitif chez l'enfant avec TDAH est extrêmement coûteux en énergie. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ignore énormément en France. C'est un processus cognitif qui n'utilise pas les mêmes réseaux, et c'est extrêmement coûteux en énergie. Donc la fatigabilité de l'enfant avec TDAH est très grande, et, et encore celle de l'adulte, hein, puisque ça perdure évidemment à l'âge adulte. Et puis l'autre chose aussi dont, dont on a parlé, on n'a pas donné ce terme de, de dysrégulation émotionnelle, plutôt que déficit d'attention. C'est-à-dire qu'on a réellement une dysrégulation qui va du plus bas au plus haut. Et quand la motivation est là, quand il y a la passion, toutes ces choses dont on a parlé, on passe non pas en déficit d'attention, mais en hyper-focus attentionnel, avec un enfant qui va être plongé dans son activité et qui va être extrêmement euh, difficile à l'en faire sortir. Et ça peut effectivement déclencher des, des crises d'une très grande violence si on ne fait pas cette sortie d'activité. Par exemple, l'enfant qui va être euh, plongé dans son jeu vidéo, et là, on va déclencher des crises. Alors moi, j'appelle ça de l'économie d'énergie, mais euh, ce qui est important aussi à voir, ce n'est pas uniquement que la tâche est coûteuse ou pas. On a des enfants qui sont pas toujours capables de bien évaluer le coût de la tâche et certains qui peuvent se mettre en retrait avant même de commencer une tâche dont par ils n'ont pas spécifique. trop idée. ouais et, et, et parfois c'est un, une mauvaise analyse de la situation qui va faire que soit ils se mettent en retrait, soit ils ne le font pas par économie parce qu'ils pensent qu'il va y avoir une montagne à gravir alors qu'en fait c'est pas une montagne, c'est accessible, ils sont compétents. Et je pense notamment à une population aussi que je rencontre, c'est des enfants qui ont un haut potentiel et un TDAH et qui vont mal évaluer le coût, justement, dont tu parlais tout à l'heure, de la tâche et qui vont se mettre en retrait alors qu'ils sont compétents. Ça correspond à ce qu'on appelle les fonctions exécutives et j'en citerai deux. L'une, c'est l'endurance attentionnelle qui nous permet ou non de faire fi des distracteurs. Un enfant TDAH est essentiellement un enfant qui a du mal à être libre par rapport au distracteurs, distracteurs externe, la mouche qui vole, ou distracteur interne, penser à autre chose. Et puis le problème de la flexibilité attentionnelle, c'est-à-dire la possibilité de passer d'une action à une autre. Voilà deux problèmes qui sont tout à fait centraux pour ce qui est du TDAH. Il y a autre chose aussi dont on peut parler, c'est l'héritabilité du trouble. Parce qu'on n'a pas encore parlé de génétique, on a parlé des processus cognitifs, mais si on n'a pas défini un gène, parce qu'il n'y a pas un gène, il y a une multitude de gènes qui n'ont pas tous encore été identifiés, mais on en a déjà identifié certains, on a une multitude de gènes qui vont être euh, très héritables. Et donc, souvent, quand on a un enfant TDAH, on a aussi des parents, parfois un, parfois les deux, parfois les grands-parents, souvent aussi les frères et sœurs. Et on va souvent avoir au sein d'une même famille plusieurs personnes. Les chiens ne font pas des chats, en fait. Et aussi, ça contribue aussi au fait que certains aussi euh, aient les parents dans le pif. Mais justement, si les parents parfois sont un petit peu décalés, bah, c'est parce qu'ils sont porteurs du, des gènes. Alors, bien sûr, il y a de nombreux arguments en faveur de la génétique de ce trouble. On pourrait en faire une liste infinie de, de nombre d'expériences, d'arguments, etc. Il est vrai que pour l'instant, nous n'avons pas encore localisé, précisé le code génétique, si j'ose dire, du TDAH, mais on a beaucoup d'arguments. Je vais citer juste une, une étude qui, qui me paraît assez amusante parce qu'elle elle contredit un petit peu la, la doxa française dans ce domaine. Euh, dans les pays scandinaves, on a accès euh, aux dossiers d'adoption. Donc c'est assez facile de comparer, pour les enfants TDAH, l'enfant avec ses parents adoptifs et avec ses parents biologiques. Et si j'ose dire, avec les parents adoptifs, il n'y a pas de correspondance, et avec les parents biologiques, il y a une correspondance importante, au même titre que dans les familles, puisque en gros, il y a 5% de TDAH dans la population générale, et 25% dans les apparentés du premier degré, c'est-à-dire frères, sœurs, parents, enfants, etc. Est-ce qu'on sait pourquoi il y a des enfants hyperactifs et d'autres qui ne le sont pas Pourquoi on a ces deux profils Et puis j'imagine que les enfants sans hyperactivité passent souvent sous les radars. Alors, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas. Et le regretter dans le même temps, parce que je pense qu'actuellement, nous appelons TDAH différents troubles qu'un jour nous définirons différemment. Autrement, d'accord. On est dans une phase de simplification, c'est-à-dire qu'on a regroupé euh, tout le TDAH, alors que probablement ce ne sont pas les mêmes circuits lorsqu'on est TDA sans H, TDA avec H, ce ne sont pas euh, les mêmes dimensions peut-être génétiques, etc. etc. Est-ce que ce n'est pas comme dans le, le TSA où en fait on est face à un spectre qu au départ, en fait, le, le, le trouble a été le, le identifié, localisé d'une certaine façon, et puis qu'en fait, plus on, la, les connaissances avancent et plus on élargit le spectre. en fait. Oui, on peut, le, on peut le formuler comme cela, mais on peut tout simplement dire que pour tous les syndromes psychiatriques, oui. la sémiologie n'est pas identique. Il y a par exemple des déprimés qui sont hypersomniaques et d'autres qui sont insomniaques. Euh, pour prendre juste ce petit exemple-là. Donc je suppose que euh, le terme de TDAH dont nous parlons aujourd'hui de façon synthétique est probablement une erreur à venir, et un jour nous, nous, aurons, nous pourrons distinguer tout cela en plusieurs cas de figure. Pourquoi l'impulsivité Quel est le rôle de la régulation de l'impulsivité chez une personne ordinaire Et comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui dysfonctionne chez une personne TDAH Alors en fait on a un défaut d'inhibition. C'est pour ça qu'il y a cette impulsivité. Et l'inhibition, ça fait partie des fonctions exécutives. Euh, donc c'est un haut niveau de fonctionnement au niveau euh, cognitif. C'est aussi pour ça qu'on a le besoin d'immédiateté au niveau euh, des, des récompenses. C'est ce, ce même défaut d'inhibition qui entraîne cette impulsivité, cette, euh, ce besoin d'immédiateté euh, toujours. Par rapport aux, aux fonctions exécutives, si je puis me permettre. Il faut aussi savoir qu'à la base, ce sont quand même des fonctions qui sont appelées frontales plutôt, et qui se développent en dernier dans le processus. Et le processus est très long puisque il va maturer à peu près, on va dire, bon bah, de la naissance, mais de l'adolescence la, de jusqu'à 20-25 ans. Donc c'est un processus qui est franchement long. Et pour des raisons euh, génétiques, donc pour lesquelles on a quand même des marqueurs euh, intéressants quand même, il faut savoir que plusieurs fonctions à plusieurs endroits euh, du cerveau, le, les fonctions du plaisir, le circuit de la récompense, le circuit d'inhibition, de des, 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 des boucles d'inhibition hein, neurologique, on, on a vraiment quelque chose qui est euh, multiple et dans, dans, qui est réparti en fait dans le cerveau, qui va se développer assez tard dans le, le développement de, de, des humains que nous sommes en fait chez tout le monde, mais qui va connaître un retard plus important chez les enfants TDAH parce que on, on l'a pas dit, mais il y a un, un certain nombre dont les symptômes vont disparaître oui, ou s'amenuiser avec le temps, Ajoutez. dû à cette maturation euh, neurologique naturelle, spontanée. Mais n'est pas la majorité. Et euh, les fonctions exécutives sont très nombreuses, ce qui pourrait expliquer qu'il y ait cette espèce de spectre de, dont vous avez parlé, c'est-à-dire plusieurs formes, plusieurs nuances, des variations. Euh, des avec ou quelque chose et des sans. est décent mais c'est vrai qu'en règle générale, euh, le contrôle inhibiteur, c'est quelque chose qui va, euh, qui ne touche pas le jeune enfant qui, quand il se balade quelque part, par exemple pour ce bol de, de bonbons crocodiles et pas de crocodile. Et de toute façon, de manière globale, les enfants sont, ont un défaut d'inhibition, tous les enfants et ordinaires, ben oui. et ça s'apprend euh, progressivement avec le et, temps. Et c'est avec euh, le contrôle euh, des parents. Euh, le contrôle de la société, le contrôle des groupes dans lesquels ils vont être, éventuellement aussi la scolarisation, que je vais apprendre que telle action je peux la faire dans telle situation, mais pas dans une autre. Et ces enfants euh, qui ont un défaut de contrôle, je préfère parler de défaut de contrôle plutôt, euh, vont vraiment avoir beaucoup plus de mal que les autres à s'empêcher de faire, euh, de mener jusqu'au bout un projet qu'ils ont dans leur tête, par exemple, prendre un, les bonbons. Et, et par exemple, pour euh, la petite anecdote, on voit très facilement ces, ces enfants-là. J'en ai vu récemment, il y a, euh, il y a pas longtemps. Euh, vous avez plusieurs euh, petits euh, bols de biscuits apéritifs, et euh, les enfants qui ont un contrôle vont prendre un ou deux, et les enfants sans contrôle vont prendre des poignées. Mais plusieurs fois répétées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle de la quantité. Et en fait, on va voir ça sur tout un tas d'activités. Alors, ce n'est pas forcément dommageable, mais euh, c'est anecdotique. Un autre facteur peut-être qui peut jouer au niveau de l'impulsivité et de l'hyperactivité, c'est que le délai est vraiment perçu de manière aversive par les personnes qui ont un trouble de l'attention. C'est une spécificité, c'est-à-dire qu'une personne neurotypique, dans une situation longue ou dans une situation dans laquelle il y a peu de stimulation, son cerveau ne va pas y réagir de manière négative. Alors qu'un enfant ou un adulte qui a un trouble de l'attention, ça suscite vraiment, enfin voilà, ça sollicite aussi des affects qui sont de l'ordre du déplaisir, de l'irritabilité. Moi, je sais que parfois, surtout les jeunes ados, quand je leur dis tu te sens comment quand tu es assis en cours toute la journée, ils me disent ça me met en colère. Parce que je suis obligée de me contenir, je ne peux pas. Et donc, du coup, il y a quand même cette, cette émotion qui est extrêmement négative. Et comme toute émotion négative, à un moment, l'organisme va essayer d'y mettre fin. Pour y mettre fin, ben, il va y avoir des stratégies qui vont être ben, soit de gigoter, soit d'aller embêter le camarade de classe, tout simplement parce que, ben, comme un déplaisir, ça c'est quelque chose de biologique, quand on a quelque chose qui est déplaisant, qui nous fait souffrir, on trouve des stratégies pour y échapper. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que le terme d'inhibition est un terme qui est un petit peu encombré. Parce que, en psychologie affective, l'inhibition c'est quelque chose négatif. de très négatif, mais en psychologie cognitive c'est quelque chose de très positif. Savoir inhiber, les, par exemple les distracteurs pour ce qui est de l'inattention, savoir inhiber une réactivité incontrôlée, euh, c'est donc le registre de l'impulsivité, ce sont des valeurs au contraire très positives qui permettent une vie relationnelle plus paisible. Et donc le déficit d'inhibition, c'est une des caractéristiques du TDAH, et ça explore les trois dimensions, c'est-à-dire l'agitation, déficit d'inhibition motrice, l'inattention, déficit d'inhibition par rapport aux distracteurs. Et l'impulsivité, déficit d'inhibition, de la réactivité. Alors oui, je vais rebondir par rapport à par rapport à cette inhibition, et j'ai envie de dire qu'elle est même genrée. Elle est genrée parce que euh, les petites filles. on n'a pas parlé euh, du trouble déficitaire de l'attention euh, selon euh, qu'on soit garçon ou fille. Néanmoins, alors c'est justement la question que j'allais juste vous poser. Ouais. Alors, <laughs> vous Néanmoins, euh, beaucoup de petites filles vont entrer dans un code dans un code, dans un habitus social qu'elles vont intégrer. C'est-à-dire que bah, la petite fille, euh, elle va répondre en fait au, au métier de l'élève en répondant aux consignes comportementales. Et cette petite fille va donc mobiliser une énergie considérable pour entrer en fait dans, la, dans le, le, le code vestimentaire de, de, de l'enfant sage. Et en matière de, en matière d'inhibition sur ce registre-là, les petites filles ont, pour la plupart, ont compris très vite. Quelle était l'attitude euh, que l'enseignant souhaitait voir développer Et en matière donc de diagnostic, euh, on passe complètement à côté parce que euh, en, en matière d'appréciation, on va avoir donc des enseignants qui vont nous dire bah :« Non, euh, cette petite fille, elle est à l'écoute, elle est attentive. » Mais ça, en fait Ouais, c'est, tout à fait. Il y a quelque tout chose dans le cerveau féminin tout à fait. qui fait que les filles fait. se, se, se conforment aux attentes ça. sociales, elles fait. trouvent des stratégies. C'est une double peine parce qu'en plus, en matière de, de, diagnostic, de, de pouvoir repérer, en fait, euh, sur, sur le versant, on va dire, que, euh, quantitatif, il faut aussi apprécier la valeur qualitative. La valeur qualitative, on peut la, on peut la, la recenser auprès des familles lorsqu'on, on échange et on découvre, bah, que cette petite fille, en réalité, elle coupe la parole. Pourtant en classe, elle ne coupe pas la parole. Euh, à la maison, elle court partout. Elle et pourtant en classe, elle est sage, elle est assise et elle écoute attentivement euh, ce qui est dit. Après, c'est vrai qu'il y a un ouais. certain nombre de chercheurs à l'étranger qui voilà, travaillent beaucoup sur ces problématiques du TDAH au féminin et euh, bah, qui mettent un petit peu, enfin qui essaient de pointer cette idée que finalement le, 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 les symptômes tels qu'ils sont décrits actuellement capture mieux finalement la réalité des troubles pour les garçons plutôt jeunes, mais ne sont pas obligatoirement aussi pertinents pour les filles ou pour les adultes. Et il y a un certain nombre, du coup, de praticiens qui aimeraient, bah, d'abord, qu'on puisse, bah, comme pour les autres troubles neurodèves, hein, euh, mieux, voilà, faire euh, mieux correspondre, finalement, les critères diagnostiques à la réalité des filles. Et plutôt, à ce moment-là, penser, non pas en termes de manifestation, mais plutôt en termes d'altération de la qualité de vie par rapport à une population comparable. Et l'autre chose, c'est que finalement, dans le TSA, hein, dans les troubles du spectre autistique, il y a un gros travail qui est fait par la communauté des femmes autistes oui. pour avoir une compréhension du TSA de l'intérieur et notamment travailler sur ce qu'on appelle les mécanismes de camouflage. Ou de compensation, et c'est un échange qui est extrêmement fructueux finalement avec bah, la recherche pour faire émerger bah, justement des questionnaires, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose. Le, le TdH on n'a pas hein, cette communauté aussi structurée, et c'est vrai que pour l'instant, on manque d'outils. Hein, par exemple, sur le camouflage chez les filles TDAH, pour l'instant, bah, voilà, on peut prendre des outils qu'on utilise pour le TSA, mais du coup, lui, le fait de comprendre mieux le camouflage permet aussi de mieux comprendre l'altération de la qualité de vie. Et une fois qu'on comprend mieux l'altération de la qualité de vie, ben, du coup, on comprend mieux aussi la fatigue, les difficultés, euh, et on peut aussi ajuster les choses. Et puis un autre facteur chez les femmes, c'est les variations hormonales. Parce que finalement, on peut recevoir une petite fille, enfin une jeune femme, un jour et pas un autre, et ça modifie complètement l'expression du trouble. Et c'est vrai que même dans la manière en psychoéducation, dans la majorité des livres, c'est quand même des hommes hein, qui, qui, voilà, qui témoignent et donc du coup c'est vrai qu'il y a cette difficulté aussi pour les femmes d'avoir des témoignages de femmes qui pourraient bah, justement les aider à mieux comprendre l'impact bah, de leur physiologie aussi hormonale sur le trouble et on n'a pas la même expression du trouble chez les garçons et chez les filles euh, on a plus d'hyperactivité chez les garçons alors qu'on a plus d'inattention chez les filles une petite fille inattentive qui va rester sage dans son coin même si elle n'a pas cette adaptabilité elle ne va pas déranger. Donc à partir du moment où on a une petite fille, même si elle n'est pas attentive, même si elle n'est pas très douée à l'école, à partir du moment où elle ne dérange pas, on ne va pas se, se préoccuper d'elle. Et donc on ne va pas la détecter. Donc on a une grande différence de diagnostic chez les garçons et chez les filles, parce que les garçons, s'ils si ont un trouble du comportement, ou en tout cas un comportement qui n'est pas le comportement attendu, on va s'en préoccuper là et on va les diagnostiquer. Alors qu'à l'âge adulte, on est à 50-50. On a autant de diagnostics des hommes que de diagnostics des femmes. Parce que une fois adultes, les femmes, elles ont une charge mentale plus présente, plus prégnante, parce qu'il y a la gestion du travail, de la maison, des enfants. La très grande majorité des femmes sont diagnostiquées après être devenues mamans. Parce que la charge cognitive augmente et qu'elles n'ont plus les, les ressources et les capacités pour faire face. Et là, elles sont submergées par le travail, par la maison, par les enfants et elles n'y arrivent plus. Non, pas parce qu'elles sont moins douées que d'autres, mais tout simplement parce que là, le TDAH qu'elles arrivaient à gérer, parce qu'elles ont développé tout un tas euh, de, de, euh, de, stratégie, de stratégies euh, voilà, pour, pour, pour le contourner, eh bien là, les stratégies ne fonctionnent plus. Alors, ça veut dire que le sexe ratio, a priori, c'est 50-50 En fait, les différences de sexe ratio tiennent au fait que les critères diagnostiques ne sont pas adaptés oui. au Comme TDA sans H. H. point. Oui, oui, et oui. donc, il donc, y a une incertitude oui. sur le sexe ratio effectif. Alors, dans les faits, il y a 3-4 garçons pour une fille. Ça, si vous prenez, si vous voulez, 100 consultants TDAH, vous avez 80 garçons et 20 filles. Sauf que les critères diagnostiques intègre des éléments qui sont probablement, qui laissent passer inaperçus les formes inattentives pures. Dans la description de clinique du TDAH, il y a aussi le trouble de l'opposition, je ne sais pas si je m'exprime avec le bon terme, qui est quand même est parmi les troubles du comportement les plus caractéristiques et qui aussi impacte la vie même des adultes hein, euh, énormément. Sauf que ça, c'est un autre trouble. Si, si on parle du trouble oppositionnel avec provocation… Ouais. Alors, Une comorbidité so, fréquente. Alors, pas... soit, soit c'est… Okay. Parce que là, il me semble que tout le monde n'est pas d'accord encore sur cette chose-là, mais soit ce sont deux entités qui Est-ce qu'on peut d'abord le décrire faut d'abord le décrire. Qu'est-ce que c'est que le trouble de l'opposition pathologique Ce euh, sont des enfants colériques, opposants, qui euh, n'acceptent pas euh, les consignes, les ordres, qui euh, ne se mettent que rarement en cause, donc c'est si j'ose dire, toujours les autres et pas eux qui sont responsables. Ce ouais. sont des enfants qui se fâchent facilement, qui sont susceptibles, bref, qui ont une vie relationnelle conflictuelle, quoi que l'on fasse. Et il y a beaucoup de parents quand ils décrivent les enfants top ou éventuellement les enfants à comportement tyrannique, alors après il y a, il y a mille nuances qui se, qui se croisent, euh, ils décrivent leur impossibilité de ne pas avoir de conflit, même lorsqu'ils font tous les efforts pour ne pas en avoir. Voilà, c'est un petit peu ça. Là. Oui, en fait, ce sont des enfants ou des adultes qui vont, j'ai l'impression, qui vont parfois rechercher le conflit, en fait. Ils voilà. se nourrissent de conflits. Il conflit. y a cette idée-là. D'ailleurs, dans les critères diagnostiques du top, il y a euh, l'idée de malveillance. Dans les critères diagnostiques, je ne sais pas s'il faut le retenir ou non, mais en tout cas, c'est un critère diagnostique. Et quand on fait des études croisées entre ces trois registres, c'est-à-dire TDAH, top et enfant à comportement tyrannique, c'est si j'ose dire le la dernière couvée d'inventions de diagnostiques, ben on a beaucoup de, de l'un qui correspond à l'autre. Par exemple, je crois que de mémoire, les enfants à comportement tyrannique, il y a 40 à 60 de TDAH. Ce n'est pas un sous-produit du TDAH, c'est une, une comorbidité particulière, où on n'est pas sûr. Il ben, y a des Parce enfants aussi un comportement une formation comportement qui ne sont pas du tout TDAH. Il y, y a des gens qui pensent que euh, le, le trouble oppositionnel est euh, une aggravation du TDAH. C'est ce que je pensais aussi. D'accord, de... comme s'il ouais. y avait un spectre, encore une fois. Ouais. Alors, il y a des éléments qui militent en cette faveur. Maintenant, actuellement, dans les critères diagnostiques, les deux choses sont plutôt séparées. C'est-à-dire qu'on a des critères pour le TDAH et d'autres critères que Gabriel a, a, a cités. Les TDAH ont vraiment un côté caliméro. C'est-à-dire qu'il leur arrive toujours des trucs qui ne vont pas, mais ce n'est jamais de leur faute euh, en réalité. Et notamment parce qu'il y a une mauvaise évaluation de, de l'environnement, des critères à prendre en compte. Par contre, les enfants qui ont un trouble oppositionnel ne sont jamais des caliméraux. C'est-à-dire que c'est tout le temps soit la faute d'autrui, et là on est vraiment dans la faute, euh, alors que les autres vont dire bah, c'est pas moi, mais voilà. C'est la faute d'autrui et ils font souvent porter la responsabilité de leurs actes sur, par exemple, les parents, d'où le côté tyrannique. Ou sur les enseignants, enfin n'importe qui de l'extérieur. Hein. Et ce qui est embêtant dans ce profil-là, c'est que on a très très difficilement accès à une prise de conscience que je suis aussi possiblement à l'origine de ce qui se passe, et donc je suis à l'origine d'un possible correctif. Alors que chez les enfants TDAH, on a très fréquemment, euh, j'aimerais bien. Euh, que ça cesse et, et que et, euh, ne plus faire toutes ces choses-là parce que on me montre du doigt mon nom est prononcé à table vingt fois ou à l'école et j'en ai un peu marre alors que chez, dans le trouble oppositionnel euh, ce sont des enfants qui euh, moi je dis toujours ils forment un projet les deux il y en a un, ça va toujours aller vers une catastrophe euh, parce que j'ai pas fait attention parce que j'ai pas regardé j'ai voulu me servir j'ai renversé la bouteille bon voilà euh, chez les autres, c'est très très compliqué de leur faire changer de projet, parce que s'ils ont décidé quelque chose, tout va être bon pour aller jusqu'au bout. Alors que dans les TDAH, c'est compliqué, mais on peut y arriver. On pourrait imaginer aussi que le, le, le trouble de l'opposition, c'est peut-être une conséquence. En fait, un enfant qui anticipe tellement que sa vie est catastrophique, que de toute façon il va se faire engueuler toute la journée, de toute façon il sera en dehors des clous et on va toujours lui reprocher des trucs, un certain nombre d'entre eux peuvent réagir par anticipation en étant dans l'opposition parce que de toute façon je vais me faire engueuler, donc autant attaquer le Alors, premier. Quoi. Je pense que ça, c'est effectivement quelque chose qui est intéressant parce que finalement, quand on regarde, le diagnostic de TDAH, c'est un diagnostic qui est assez tardif. Parce que même si on le pose tôt, imaginons vers 6-7 ans, l'enfant, il a déjà eu un parcours de vie de 7 ans où il a eu ce tempérament d'hyperactivité. Et il a aussi des apprentissages qui ont été faits d'être puni, d'être peut-être rejeté. Si bien qu'il va avoir aussi une réponse au stress quand il va se retrouver dans des situations de demande qui font qu'il peut réagir comme, enfin, finalement, l'opposition, c'est la réponse au stress qui est plutôt de l'ordre du combat. Et du rejet. Et donc, on peut penser qu'il y a quand même des facteurs d'apprentissage aussi qui peuvent avoir un impact. L'autre chose, c'est que quand on regarde la manière dont les enfants avec TDAH peuvent interpréter les émotions, on sait que souvent ils font des erreurs d'attribution. C'est-à-dire qu'ils vont percevoir les émotions négatives comme de la colère. C'est-à-dire que s'ils si voient du regret ou de la tristesse, Spontanément, ils vont interpréter ça comme de la colère, donc ils vont réagir aussi, eux, d'une manière qui leur paraît congruente par rapport à ce qu'ils perçoivent du monde. Et la dernière chose, c'est qu'effectivement, dans le trouble de l'attention, on sait que la prise de perspective est quelque chose qui est difficile, et que pour pouvoir comprendre les intentions de l'autre, il faut pouvoir se mettre à la place. Donc, et du problème coup. C'est pas de l'empathie. Voilà. Oui. C'est pas de l'empathie, parce que l'empathie, c'est quelque chose d'immédiat, et ce sont des enfants qui ont de l'empathie. Ils peuvent avoir des valeurs de solidarité, d'aider les autres, la justice, souvent, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. C'est juste qu'ils ont du mal à se mettre à la place de l'autre d'un point de vue intellectuel pour pouvoir se dire, tiens, finalement, quel compromis je peux trouver entre ma représentation du monde et sa représentation du monde pour avoir une solution adaptative qui serait ben, voilà, compatible avec le contexte dans lequel je vis. Très mauvaise d'ailleurs l'adaptation. Et c'est en lien avec le fait que j'ai un problème dans les fonctions exécutives avec la planification et notamment la planification des conséquences que mes actes vont avoir. Alors, après, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce que la planification intellectuelle est souvent présente. C'est-à-dire que quand on discute avec un gamin qui a un top. Mais pas ils... dans l'instant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas intellectuel, c'est vraiment la manière dont le cerveau réagit à une planification qui n'est qu'abstraite. Cognitivement, en fait, ils sont capables de. De dire. Quand hein. on est assis et quand on y réfléchit après coup ils peuvent faire un bon déroulé de planification, soit des, des tâches, soit même des conséquences. Mais quand ils sont dans le feu de l'action, ce qui est, est très, très curieux, c'est que mmh. cette fonction-là, enfin, elle ne fonctionne plus. Voilà. Et c'est très embêtant pour eux parce que... À propos du top, euh, clairement, euh, le TDAH et le top, c'est un duo classique. Mais clairement aussi, il y a des TDAH magnifiquement pacifiques, tendres, gentils, agréables, et des, des tops qui sont absolument pas, qui n'ont pas de signe de TDAH. Donc, je considère pour ma part que le TDAH est un, non pas un facteur de production du top, mais un facteur d'aggravation. D'accord. Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a un point commun quand même entre le top et le TDAH, c'est l'impulsivité. il y a un deuxième point commun, vous l'avez évoqué, c'est que un TDAH, classiquement, se fait engueuler toute la journée par les profs et le soir par les parents. Donc évidemment, si au bout de quelques années d'engueulade, il ne développe pas un refus de l'autorité adulte, c'est qu'il est, qu est d'une composition absolument magique. Donc en effet, je crois qu'il faut considérer le TDAH comme un facteur d'aggravation du top, et non pas comme un facteur de production directe. Et c'est marrant parce que moi, ça me fait penser à ces enfants qui renoncent. C'est-à-dire ces gamins que parfois on peut voir en pratique clinique, qui les parents nous disent… Avant qu'ils qu aient stop là, qu'ils qu deviennent prédominants, le gamin se couchait le soir et disait ah bah, Demain, tu verras, je ferai des progrès. Demain, tu verras, euh, je serai sage. Sauf qu'au bah, bout d'un moment, les enfants baissent les bras. Et quand on est impuissant dans une situation et qu'on n'a plus de prise, à part essayer de fuir la situation ou de se révolter contre voilà, elle. Voilà, fuir ou se révolter, c'est réagir par l'agressivité. En, en fait, ce sont les réponses de stress c'est les oui. réponses normales. De l'homme et de l'animal d'ailleurs, quand il est face à une situation de stress qu'il ne peut pas maîtriser. Alors on a parlé de comorbidité. C'est vrai à l'époque du mur, les chercheurs étaient persuadés qu'on était soit autiste soit TDAH, mais qu'on ne pouvait pas être les deux à la fois. Et beaucoup de parents dans leur parcours diagnostique de l'enfant a été très compliqué parce que les gens hésitaient entre les deux en disant c'est pas possible. Et en fait aujourd'hui, corrigez-moi si je me trompe, on sait que le TDAH est la comorbidité la plus fréquente de l'autisme. Et surtout ce que je trouve très intéressant c'est que l'un peut masquer l'autre. Moi, j'ai rencontré des personnes autistes et TDAH, où en fait, les manifestations du TDAH étaient contrebalancées par des manifestations de l'autisme. Il y a corrélation entre les deux, et lorsque l'autisme est pris en charge, finalement, c'est le TDAH qui explose, en fait. Ou l'inverse. Parfois, ouais. quand le TDAH est, est régulé avec le méthylphénidate, à ce moment-là, on revoit, on voit l'autisme beaucoup plus fort. Alors moi, je vois très, très fréquemment, pour avoir une population de jeunes qui sont plutôt Asperger, c'est que jeunes on va avoir des manifestations qui font penser, alors quand je dis jeune, c'est jusqu'à avant la puberté, on va dire, des manifestations qui sont plutôt du registre du TDAH, pas toujours, mais chez un certain nombre, et quand on va avancer avec la, la puberté et l'âge, euh, ces manifestations-là vont souvent s'atténuer, enfin au profit, <laughs> le terme n'est peut-être pas terrible, mais euh, on va plus voir les manifestations de, du syndrome d'Asperger. Et, et c'est justement aussi pour ça que on va aussi avoir des, des diagnostics tardifs chez ces enfants-là. Alors tous, tous les enfants Asperger que je peux voir n'ont pas les manifestations du TDAH sous les formes euh, qui ont été exposées tout à l'heure, mais on retrouve une agitation motrice extrêmement fréquente, comme par exemple faire les 100 pas, tourner autour des tables. C est, c est, alors un TDAH simple ne fera ne fera pas ça. Par contre, il aura des, manif des des il aura ce que j'appelle des, euh, des activités motrices non dirigées vers un but, c'est-à-dire qu'il va bouger sa jambe, il va tripoter son stylo, il va tirer le, la chemise de son copain. C'est pas dirigé vers un but, en fait, mais il va les faire. Ce que ne fera pas l'enfant qui a un, un syndrome d'Asperger et qui a des impatiences motrices. Mais euh, on, on va voir des manifestations euh, d'hyperactivité sous une forme qui est un petit peu typique et l'inattention. Parce que très souvent, ce sont des enfants qui sont... Euh, alors, non pas dans des rêveries de, de ceux qui sont plutôt euh, TDAH, qui vont rêver à autre chose, digresser, mais plutôt des, des, des ruminations anxieuses d'adaptation chez les syndromes d'Asperger. C'est-à-dire que je vais chercher toute la journée pourquoi il a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, et moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là Et ça, ça sature en, en charge mentale, on en a parlé tout à l'heure. Euh, le, le, le cerveau, et, et voilà. Donc, je ne peux plus être disponible pour ce qui va se passer en cours, parce que je suis en train de m'adapter socialement à des situations que je ne comprends pas bien, dans lesquelles je ne sais pas bien ce qu'il faut faire parce que je n'ai pas bien les codes. Et on a une inattention qui est vraiment présente, mais qui n'a pas du tout la même origine, selon moi, ou le même fonctionnement que chez les TDAH. Et enfin, l'inhibition, c'est l'inhibition, enfin, la difficulté d'inhibition, notamment sociale, avec des enfants qui sont un petit peu cash. Qui vont dire des choses sans filtre, mais ce n'est pas dans les mêmes registres oui. que les TDAH. Les se, se Sauf que si point. on regarde les critères, eh ben, on va trouver chez ces jeunes-là des manifestations validées et cochées du TDAH, alors qu'en réalité, c'est vrai qu'il faut un œil euh, un petit peu aiguisé et une expérience. Mais est-ce qu'on n'a aussi, je parle d'adultes qui sont euh, diagnostiqués, diagnostiques formels, qui sont vraiment autistes, il y en a qui fonctionnent très bien, et, et d'autres où on se dit, mais il n'y a pas de raison qu'ils fonctionnent c'est la notion de, de trouble des fonctions exécutives indépendamment du TDH, qui est à mon avis sous estimée et qu'on a je ne comprends pas dans la, dans la culture française. Il y a des adultes avec autisme qui n'arrivent euh, qui pas à se lever le matin, qui n'arrivent pas à organiser leurs pensées, qui n'arrivent pas à faire des trucs, alors que les autres, euh, d'autres personnes, tout aussi autistes voire plus, fonctionnent parfaitement, en fait. Est-ce que l'autisme ne vient pas obérer le reste, en fait, et masquer un trouble des fonctions exécutives qui est spécifique, on va s'attarder sur l'autisme, alors que ce n'est pas ça leur problème, en fait? Ah, je pense qu'on ne peut pas dire que l'autisme, ce n'est pas leur problème. Les deux euh, peuvent être compliqués. Après, je pense que peut-être le, le, le truc, c'est la sous-estimation de l'impact fort du TDAH dans la vie des gens. C'est-à-dire que finalement, quand on a un double diagnostic TSA-TDAH, spontanément, les familles vont penser que le plus invalidant, c'est le TSA. Et souvent, on sous-estime quand même, dans notre culture, l'aspect extrêmement invalidant du TDAH. Enfin, c'est voilà, un diagnostic comme ça, on dit TSA et les troubles du neurodéveloppement, parce qu'on considère quand même inconsciemment que euh, le TSA est très handicapant. Alors que le TDAH, bon bah, il suffit que les gamins se motivent un peu, puis ça va passer. Et du coup, on a une représentation dans la culture populaire dans laquelle on n'a pas suffisamment conscience de l'aspect extrêmement invalidant au quotidien du TDAH, de l'impact majeur que ça peut avoir sur la qualité de vie, sur l'espérance de vie, euh, sur les pratiques addictives, sur la santé globalement, euh, sur bah, l'emploi. enfin bon, et je pense que c'est peut-être ça aussi, c'est que finalement, quand les enfants ou les adultes ont le double diagnostic, ben on sous-estime l'impact que le TDAH a dans la vie des gens et l'aspect extrêmement handicapant du TDAH quand euh, le milieu ne permet pas à la personne de déployer son potentiel. Oui, on les sous-estime et même on les considère comme négligeables. Ah oui, oui c'est ça. Voilà. Bon, quand on dit aux gens, votre enfant, il a un trouble oui. de l'attention, bon, ben d'accord. D'ailleurs, les gens, souvent. On est obligé de leur rappeler souvent en disant euh, ⁇ c'est un handicap ⁇ Le méthylphenidate, effectivement, permet une amélioration des traits autistiques et des troubles autistiques quand euh, T TDH et TSA sont associés. Pas plus que les, les, les personnes avec autisme, le TDH ne disparaît pas. Mais il y a quand même un certain nombre de, apparemment de symptômes qui disparaissent à l'âge adulte. Qu'en est-il réellement? Est-ce que ce sont des manifestations extérieures qui disparaissent? Est-ce qu'il est qu y a vraiment des symptômes qui disparaissent? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une évolution ben, de a, la cognition? Il y a une atténuation d'un certain nombre de symptômes parce que les fonctions de contrôle sont plus efficaces. Alors, on, on dit entre 20 et 25 ans. Parfois, comme boutade aux, aux patients que je peux recevoir qui sont adultes ou jeunes adultes, je leur dis 20 ans c'est plutôt les filles 25 ans c'est plutôt les garçons. Bon, un peu plus tardif. Mais euh, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'effectivement, à cause de la pression sociale, de l'emploi, à cause de la pression so sociale ou familiale de la vie de couple, eh bien, je suis euh, contraint. Quand j'ai un TDAH adulte, j'ai des fonctions qui sont plus performantes, mais je suis aussi contraint par un environnement et l'environnement professionnel et un environnement euh, euh, fort contraignant de d'inhiber un certain nombre de choses. Que je ferais si je n'avais pas ça. Et donc, ça, ça, se, ça se voit moins. Mais ce qui est important de voir, c'est que, euh, on en a parlé tout à l'heure, c'est coûteux. C'est-à-dire que, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, dans tous les cas, euh, cette inhibition qui est contrainte par la société, alors elle l'était avec la scolarité, mais bon, c'était moins, moins fort. Et je pense qu'il y a un certain nombre de traits qui disparaissent. D'ailleurs, on dit qu'environ 70% des enfants qui avaient le TDAH vont le maintenir à l'âge adulte sous les formes. 70% En gros, c'est ce qu'on dit, et 30% ont des, des formes qui sont très atténuées, voire qu'on ne verra plus trop de l'extérieur. Tout dépend des critères diagnostiques. Alors, on est d'accord, mais. Je ne veux pas faire, euh, mettre un, trop de jargon, mais en fait, si on prend les critères diagnostiques de l'enfance, dits homotypiques, c'est-à-dire qu'on les rapporte à l'âge adulte, on a seulement 10% des enfants TDH qui restent TDH à l'âge adulte. Si on essaye de trouver des critères différents, hétérotypiques, à ce moment-là, on a des proportions qui sont bien supérieures. On est à peu près de l'ordre de 5% pour les enfants et de 3 à 4% pour les adultes. Donc, parce qu'il est bien évident, par exemple, que l'enfant de 5 ans tourbillonnant... Euh, C'est très rare quand même d'avoir un adulte de 40 ans qui tourbillonne dans un non, bureau, fait par son exemple. Il peut tout seul voilà. sans demander l'autorisation à ses parents. Il faut trouver les moyens de, de... Donc, il... voilà. Donc en fait, il faut changer de critères diagnostiques. Et si on change de critères diagnostiques, à ce moment-là, on retrouve des proportions qui sont assez proches. Mais alors, chez les adultes qui d'ailleurs n'ont pas été diagnostiqués, en particulier, j'imagine, chez les hommes, est-ce qu'on ne trouve pas une proportion de TDAH euh, euh, chez des personnes euh, aux comportements particuliers, particulier, pas la, la, la délinquance, l'addiction, la drogue. Pardon, hein, mais non. il faut dire les je choses aussi. J'imagine être chef ah, de bande, est addict, toxico. Être TDAH, c'est un facteur de risque social dans toutes les directions. Ouais. Toutes. Il y a 20% de TDAH en prison. C'est ça. Il y a 35% d'accidents de voiture en plus. Il y a plus d'alcoolisme, plus de toxicomanie, etc. etc. À chaque fois qu'on fait des statistiques de TDAH adultes, chez des, dans des groupes à difficultés sociales ou autres, euh, on retrouve des statistiques Et supplémentaires. Et on retrouve chez certains profils de délinquants, c'est ce besoin d'immédiateté, de récompense immédiate, cette impulsivité extrêmement forte, qui peut aussi avoir été favorisée socialement. Enfin, euh, dans, dans mais, mais je, là, je, je, serais ten, que... je serais tenté quand même de, de nuancer le propos parce que d'abord on, on risque d'affoler euh, des, des, des familles qui ont un enfant TDAH en disant mon fils est à risque, il va devenir délinquant. Je pense que la, le phénomène de délinquance, alors il existe hein, chez les TDAH, mais je pense que c'est le, le, le trouble top. oppositionnel avec provocation ouais, qui va remplir euh, les, le milieu carcéral. Mais si je dis ça dans, plutôt dans l'esprit, c'est important de faire un diagnostic justement pour que ce sont des personnes qui n'ont pas été diagnostiquées, dont les parents ne sont pas venus voir des psychologues ou des psychiatres, oui. et pour lequel il n'y a pas eu de psychoéducation. Alors en je fait. vais même évoquer euh, bah, l'origine cu culturelle. Parce que l'origine culturelle aussi, euh, en matière de diagnostic, on va parler, moi je vais parler par exemple du trouble spécifique du langage oral, bah, un enfant qui a une dysphasie et qui est originaire euh, euh, du Maghreb, euh, le diagnostic ne va pas être opposé tout de suite, parce qu'on va dire que la famille euh, ne maîtrise pas la langue française de façon euh, remarquable, et que par conséquent, bah, l'enfant ne, ne parvient pas à mobiliser le, le langage oral. De la même façon, culturellement, euh, cette hyperactivité peut être Associé donc à, à, à tort, hein, à une éducation. Euh, malheureusement, le diagnostic des, 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 des primo-arrivants ou des, des populations immigrées est très difficile à poser parce qu'il y a encore cet obstacle de la culture. Et, euh, et, et si on n'arrive pas à cibler de façon, de façon euh, claire, parce que si on est dans le trouble spécifique des apprentissages, par définition, c'est en dépit d'un apprentissage classique. Et en matière de durée, cet enfant n'arrive toujours pas à mobiliser les compétences, soit langagères, soit comportementales, soit graphiques. Et cette population-là, eh euh, étant, euh, étant mal diagnostiquée ou pas repérée, parce qu'on attribue cette, ces échecs dans les apprentissages par rapport à la culture. Il y a aussi des représentations de milieu social. Des certains enfants de milieux extrêmement populaires, on va avoir tendance quand même à surestimer le facteur du poids social et de la capacité des parents à éduquer leurs enfants que dans des milieux, comme pour la maltraitance, comme beaucoup de choses, on sait que quand même il y a un biais quand il s'agit de populations vulnérables socialement. Euh, qui va quand même être systématiquement à la charge de la famille. Et du coup, ce qui est un facteur qui entraîne de la délinquance, parce qu'on a des, des jeunes qui ont des comportements euh, qui commencent par des petits trucs et puis qui, qui finissent Alors par avoir des se, casiers judiciaires. Et eux. on se dit ils ont Alors, été mal élevés, il y a des milieux culturels sans distinguer qu'il y a un trouble, il y a un trouble biologique à la base et qu'il qu faut aussi le traiter pour pouvoir lui permettre de choisir un autre chemin de vie. Dans le milieu carcéral, ils sont vrai il semblerait qu'il y ait plus de 70% des personnes qui sont incarcérées pour des faits plus ou moins graves, qui soit présente un TDAH, soit présente plutôt un trouble oppositionnel euh, ou en, en lien avec une difficulté d'ajustement carrément Par social. Par rapport au TDAH, il y a extrêmement peu de modèles positifs de TDAH. C'est-à-dire qu'un gamin qui est impulsif et qui a du mal, euh, qui est en échec scolaire. Il a très peu de modèles positifs de TH pour aussi construire des représentations, des modèles qu'il valorise. Un gamin qui commence à être un peu un petit caïd, il va obtenir une valorisation oui. qu'il n'a pas eu aussi dans la sociale, scolarité sociale. Et il y a un moment où effectivement le manque de représentation des personnes atypiques euh, d'une manière positive, fait que bah, qu'est-ce qui construit un gamin bah c'est tiens je vais regarder Scarface ah oui lui aussi il est impulsif ah oui lui aussi c'est un cancre donc bah, c'est pour ça et il va être quoi footballeur et les petits cailloux ils ont des renforçateurs sociaux qui voilà. sont très puissants et, oui. et ça je pense que ça joue parce que finalement les modèles que ces gamins ont c'est quoi c'est Squeezie c'est des gamins qui qui ont un peu ce fonctionnement là qu'on perçoit d'hyperactivité de déficit attentionnel mais ils ont extrêmement peu de modèles de réussite autre que YouTube le foot ou euh, la délinquance finalement voilà. un dernier aspect qu'on n'a pas abordé par rapport à la clinique, c'est le relation avec le haut potentiel intellectuel éventuel ou plutôt le fait que ça vient dans Pour certains cas vient. masquer le TDAH. Ben oui. Ou l'inverse, enfin, ben, parce qu'en qu oui, fait, exactement. on se retrouve. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de hauts potentiels intellectuels, j'anticipe, euh, qui croient que euh, on peut être, on est trop intelligent pour être heureux C'est parce qu'en fait, ce sont des gamins qui viennent, de, qui sont TDAH, qui viennent se faire diagnostiquer. On dit, ils sont persuadés qu'ils sont complètement idiots. Ils se découvrent au potentiel et youpi, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la relation ou l'absence de corrélation entre ben, les deux En fait, c'est pas, c'est pas lié. C'est-à-dire que les deux ne sont pas liés et ne sont pas présents en même temps systématiquement. C'est-à-dire qu'il y a une sous-population parmi les hauts potentiels qui présente alors soit un TSA, soit un TDAH, soit des, des troubles 10. En réalité, on a le droit d'être justement intelligent et de présenter une autre caractéristique. C'est-à-dire que le haut potentiel va permettre de compenser le TDAH et malheureusement certaines formes plutôt sévères du TDAH vont minorer euh, les, les résultats et c'est embêtant. Je dirais deux petites choses. Euh, si on prend la courbe de Gauss de l'intelligence du TDAH ou du non-TDAH, elles, elles sont à peu près identiques. Donc on retrouve toute la palette de la déficience euh, au, au potentiel. Euh, mais en effet, euh, le haut potentiel peut compenser le TDAH et donc le masquer. Mais il finit tôt ou tard par se révéler. Alors ça peut être pour ceux qui sont doués au collège. Pour ceux qui sont très doués au lycée, je simplifie un peu le, le parcours. Et pour ceux qui sont encore plus doués, ça peut être en prépa. Mais il y a un moment où le volume... De travail. Oui, est-ce qu'on peut expliquer, en fait, le, le, le mécanisme, c'est que lorsqu'on a un, un, un temps d'attention extrêmement limité, le fait d'avoir une mémoire de, tra de travail qui est beaucoup plus rapide, euh, ça permet de masquer en un fait, peu, en fait. Grosso modo, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un n'a pas d'effort à faire pour conceptualiser, parce que sa intelligence lui permet de saisir les choses de manière assez intuitive, il n'a pas besoin de se concentrer. Vous commencez à devoir vous concentrer quand il faut faire un effort pour comprendre. Donc, quand un enfant, ben, finalement, il n'est pas en situation de devoir faire un effort pour comprendre le matériel qu'on lui donne, à ce moment-là, même s'il n'arrive pas à se concentrer, ça ne se voit pas. Souvent, ce qu'on constate pour ces enfants ou ces adultes qui sont extrêmement performants, c'est que d'un seul coup, la charge de travail, on on, d'un seul coup, on leur demande de se concentrer. Et ça, ça arrive d'un seul coup. Souvent, on a des cassures. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous constatez. Ou chez des adultes, en fait. Chez des adultes. En Mais, fait, ils sont très, sais, très, très performants. D'un seul coup, c'est comme si on les débranchait, en voilà. fait. Ils sont très bons. Et puis, d'un seul coup, on dit, bah, voilà. Et alors, c'est pour ça aussi que parfois, on va l'attribuer à tort à des facteurs extérieurs. En disant, ben bah, c'est peut-être parce qu'il y a le changement. Ah, il est loin de sa famille. Parce que, en fait, ce qu'on ne perçoit pas, c'est que... patron, au bureau. D'un euh, seul ou coup. Situation, voilà. D'un seul fait, coup, il ouais. a fallu qu'il se mette à travailler. Et alors, à ce moment-là, on dit, ben bah, il a qu'à apprendre à travailler. Mais apprendre à travailler, ce n'est pas si compliqué que ça pour un enfant typique. Parce que, bien sûr, le jeune avec TDAH, il a bien compris que s'il s'organise à l'avance, ce sera beaucoup plus simple que euh, s'il s'assoit régulièrement tous les soirs, il a besoin d'autre chose que ça. Et, et du coup, ben voilà, il est mis en difficulté par tout ça d'un seul coup. Les bons résultats créent une absolution des troubles. Oui. Oui. C'est-à-dire que oui. si vous avez quelqu'un qui a 18, même s'il est casse-pieds, même s'il est rêveur, même s'il est inattentif, même s'il arrive en retard, etc., c'est pas grave, ce sera même éventuellement une petite contribution au génie, le TDAH.